Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, tel qu'il s'agit de la découverte et probablement du premier épisode de Tormented Souls, qui est a priori un Resident Evil-like, un jeu du style Resident Evil, donc c'est un survival horror. Je vais regarder les options rapidement, voir si je n'ai rien oublié. Normalement, c'est bon, il n'y a pas des masses. Vaut mieux jouer avec le pad, j'imagine, vu que c'est un... Avec ça, un hero-like, on a tout foutu. Max, ok. Donc je vire le motion blur. J'ai viré le grain cinématographique de merde. Et ça devrait être bon. Je dis, il faut jouer au pad, hein. On vise pas, hein. On est d'accord. Oula. Ah, peut-être pas en fait. On va continuer la souris, clavier pour l'instant. Coucou Poro. Je commençais malade et je continue clavier. D'accord, ok. Non mais voyant que le pad bouge, le pointeur de la souris, je me dis... C'est, à mon avis, mieux à la souris. Alors on va voir. Je vais commencer sur le clavier, puis on va essayer. Allez, on va voir ce que ça donne tout de suite. Maintenant. Oh là là. Pas de niveau de difficulté, tiens. P-cube. Je coupe les alertes pendant l'intro. A letter for me. I never receive letters. Ah. D'accord, ça commence direct ton intro. Je reviens donc. Ok. C'est pour montrer comment on fait pour... On peut zoomer? Non, on peut zoomer. Interagir avec clic gauche. Je devrais jeter un œil au dos de la lettre pour voir qui l'a envoyé. Mais c'est pas le dos, c'est la feuille. Expéditeur John de l'hôpital Wildberger, Winter Lake, Blackwood Island, Canada. Pour l'expéditeur et destinataire Caroline Walker, donc c'est nous, j'imagine. 518 Rain Street, Campbell River, Canada. C'est un jeu canadien. Ok. Ok, ok, ok. Oh là, ça tourne vite, une photo. Donc on va vraiment pouvoir te permettre de nous abandonner ici. Hein? Ok. Okay. It's been 2 weeks since I received that letter from the Wildberger Hospital. Since then, I haven't been fine. I can't get out of my head the image of those little girls. I can't sleep. And when I am able to fall asleep, it's only to dream horrible nightmares. I need to know what's going on. What's the meaning of all of this? I'm going to the Wildberger Hospital in hopes of finding some answers about this strange photo. I need to know what's going on. C'est tellement cliché là, tout ça. Une fille en petite tenue rentre dans un manoir chelou. Pardon. Toilette privée. Bah faut pas rentrer alors. What the fuck? Ha ha ha!
mais c'est pas très classe. Hein. Elle s'habille, c'est ça? Ok. Putain. Ah, ça fait... Coucou T-Rex. Voilà, il y a une nana à poil et T-Rex arrive. C'est pas très sain. Non, mais... Non, ça fait très Urotsuki Doji. Oula. Elle bouge comme un tank. Mais... Okay. Je sais pas trop si pad c'est mieux ou quoi. Pourquoi étais-je sous ventilation assistée? C'est une bonne question. Pourquoi? Donc je disais c'était pas très classe je trouve. Mais bon. Ok. Respirateur et des oscilloscopes, ok. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? En fait, moi je me demanderais surtout aussi pourquoi est-ce que j'étais à poil dans une baignoire. Oh oh. Effectivement, ça serait pas chouette. Imaginez, vous retrouvez, vous réveillez, et puis hop, il vous manque un œil. Et bon sang, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qui aurait pu me faire une chose aussi affreuse et pourquoi? Très bonne question. Ok, je reprends le clavier souris pour voir. Une veste en cuir marron avec un jean bleu. Est-ce que c'est mieux avec... Ouais, je comprends, ouais. Il y a des poches. On peut pas... On peut fouiller les poches. Fouille-y les poches. William Wildberger. Ok. Je croyais que je n'arriverais plus jamais à espérer. Tout ce temps, j'ai refusé de laisser l'espoir grandir dans ma poitrine, mais maintenant que Maria est à nouveau enceinte, je vais y croire à nouveau. Pour Maria. Pour ses petites âmes et pour moi. Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Après toute la souffrance que nous avons dû endurer ces dernières années, Maria, ma femme adorée, m'a bénie en mettant au monde deux magnifiques petits anges. Et ce n'est pas tout. Après tout ce temps, elle m'est revenue. Elle m'a regardé avec ses grands yeux, comme si elle ne m'avait pas vu depuis des années. Comme si elle s'était enfin réveillée d'un long rêve. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'étrange quand j'ai regardé ma montre pour connaître l'heure exacte à laquelle le premier bébé, Emma, est né. Quand j'ai ouvert le couvercle, le verre s'est fissuré et les aiguilles se sont immédiatement arrêtées. À mon sens, n'étant pas un homme superstitieux, il s'agit d'une simple coïncidence et non pas d'un quelconque présage. Mais Maria insiste que c'est un signe. Elle est certaine que cette heure lui portera chance et s'en sert désormais pour tout ce qui requiert d'un numéro. Ok. Ok. Est-ce qu'on garde ça quelque part? Table? Inventaire? Non, pas encore. Objets, ressources, tenue A, tenue B, documents, journal de William, photographie des jumelles, donc on garde tout ça, ok.
Une vieille montre à gousset, il y a un loquet sur la couronne. Une vieille photographie de deux jumelles. Le temps a suspendu son vol quand mes deux anges sont tombés du paradis. Oh, c'est joli. Ok. On l'a gardé. Ok, dans les documents, d'accord. Cadenas, le maintien en place. Donc apparemment il nous faut un code, 4 chiffres. Ah, elle a dit qu'elle... Il a un document qui disait que... S'il n'avait pas d'épisode comme si d'ailleurs j'ai passé quelque chose, attends, je vais regarder ma montre pour connaître l'heure exacte à laquelle le premier bébé Emma est né. Ok, donc en fait c'est l'heure de la montre qui marque le code. Donc je sais pas moi. Oups. 12.35. Merde, 12, j'ai dit 12. Yes. Un cadenas à combinaison. Super, je garde même le cadenas, ok. Une clé à molette. Mais c'est pas tout. Rien d'autre à faire, d'accord, ok. J'aime bien la façon dont c'est fait. Examiner les containers, là, comme ça. Les objets, en fait, même aussi. Ne laisse pas les ombres t'étreindre. Qu'est-ce que ça signifie? Alors moi, je peux t'expliquer. Ça signifie qu'il va y avoir des grosses créatures pas cool, aussi appelées créatures des ténèbres, qui restent pas cool, et que du coup, il ne faut pas qu'elles te fassent de gros câlins. Feuille d'instruction. Oh, comment bouger? Comme un tank. SD, shift, espace pour voir les trucs. Je les méchants, les méchants c'est pas gentil, exactement. Tout à fait. Ok, comment on fait pour... Ah, espace, d'accord, c'est ça, ok. Je vais revoir un truc. Disons-le. Après, comment on bouge la caméra? Parce que. Non, bouge. Ok. Évidemment. Oui, évidemment. Je suis con, c'est un Resident Evil. La caméra, ça va être mon pire ennemi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose là? Je sens que c'est tout. Ok. Ah. Ça peut être modifié, quoi? Ah d'accord, il faut l'ouvrir. Examiner. Ah putain. Je peux la récupérer après? Bah non. Point, 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 point. Sympa, ouais, j'aime bien pour l'instant. Par contre, je suis pas fan des déplacements. Pas du tout. On voit que de... Est-ce qu'on a une carte? Il y a un bruit. Je crois qu'il y a un bruit. J'ai cru voir un gun, non? Tiens. Merci Trérex de m'avoir rappelé qu'il fallait que je remette les alertes, désolé. Gros Georges à toi. Un Georges de l'horreur, évidemment. 15 mois. Merci Trérex. Des bisous. Merci pour le soutien. Déjà, toi, j'étais mongol. Qu'est-ce que t'as pas fait, Archie? Je vais voir là. Il y a une caméra, j'ai cru voir un gun, non?
J'ai halluciné. J'ai halluciné. Attendez, c'est pas possible, j'ai pas halluciné. Un dessin de gun. Combinaison, j'ai rien pigé au début. Ah d'accord, oui bah après faut, ouais. Chacun son, sa logique hein. Y a pas de gun en fait, j'ai pris mes désirs pour des réalités je pense. Je suis persuadé d'avoir vu un flingue, peut-être un dessin en fait. Ok. J'ai l'impression qu'il va y avoir plein d'objets donc... Faut que j'examine tout. Alors ça c'est pas glauque du tout le bébé qui tient la... Le briquet, un vieux briquet à gaz. Oui, mais bon. Équipé. Est-ce qu'il a une durée de vie? Oh, mon cœur, j'avais pas vu. Aïe, aïe, aïe. Ah bah maintenant, on peut aller de l'autre côté où c'était tout noir, en fait. Ok. Merci, la caméra. Putain, franchement, je crois que c'est le truc qui m'agace le plus dans les Resident Evil, mais c'est fait exprès, hein. Dans les Survival Horror, qu'on voit pas... que la caméra nous empêche de voir au détour d'un couloir, hein, ce qui est tout à fait normal, si c'est pour provoquer du stress, pour l'ambiance, pour les jumpscares, tout ça, mais... C'est pas juste, quoi. Breastfeeding. The best for your health. Fermé, apparemment ça s'ouvre électroniquement. Ok. Bisou. Attendez, faut que j'aille voir l'autre porte en fait, voir si c'est kiff kiff. J'ai l'impression que c'est la même serrure. Ah non, peut-être pas. Allons-y, c'est marqué sortie en plus. Ah. Toujours pas de map, hein. On va pas y aller tout de suite. On va pas sortir tout de suite. Je vais fouiller le couloir d'abord. Ah, ça descend là. Il y a des disjoncteurs, on peut pas rallumer le bordel. Ok, on va pas descendre alors. Bon, ça, j'arrive pas à me décider. Sac. Par contre, une recharge de clous utilisable avec une cloueuse. Une cloueuse. Une cloueuse, sérieux? C'est un mot, ça? Ah, maintenant, on peut dire une clouteuse. Rapport sur la tribu Patrick Team Suite. Selon les dernières trouvailles archéologiques de l'île de Winter Lake, la tribu Timsit aurait vécu sur l'île plus de 500 ans avant d'être découverte par les colons européens. Un ancien cimetière souterrain a été découvert au fond d'une caverne sur la côte de l'île. Il daterait du 10e siècle. Plus de 286 squelettes appartenant à des enfants de 10 ans. Waouh, ont été découverts dans un cimetière souterrain. Tous les os étaient enterrés par paires. Et les experts pensent que les jumeaux étaient enterrés ensemble. Nom de Dieu. Sur Google, ça se dirait. D'accord, ok, merci. Close. Pied. Yeah. On entend, ouais. Clouteuse. Je sais pas.
distributeur automatique, il ne fonctionne plus. Ça sent la clé, là. C'est fermé, ok. C'est drôle, il y a plein de moments où je trouve des ressemblances avec Song of Horror, mais c'est pourtant pas le même studio. Ouais. Ah, il nous faut un autre... un imbo hexagonal, ok. Il nous faut un autre... il nous faut autre chose, quoi. Fenêtre de service de pharmacie, je vois rien de l'autre côté. Pour l'instant. J'aime bien le plus de 286, ouais, c'est super précis, ouais. Même le gameplay, aucun rapport. Non, je pense que c'est les couleurs, en fait. La poupée me fiche les jetons. Je pense que c'est les couleurs marron, style marron en fait, qui font potentiellement penser à ça. Et le je pense le style aussi architectural en fait. Mais autrement, je ne sais pas. Musique sympa. Est-ce une salle de sauvegarde? Safe room? Une ampoule de morphine pour les blessures légères. Ok. Partie gauche d'un cœur en plastique. What the fuck? Ok. Why? Pourquoi? C'est recouvert de sang. Bon sang, quelle puanteur, j'ose même pas soulever le drap. Mais si, vas-y. Non? Ok. Bah non alors. Ah. Mannequin détaillé du torse humain. Ok. Examiner. Ah, il nous faut l'autre partie pour pouvoir le mettre là, en fait, c'est ça. Oh, dis donc. Sauvegarde. Le document est intéressant. C'est pas branché. Avec la façon dont c'est fait, j'ai vraiment peur de louper des objets, en fait. Une bande de 18 cm pour enregistrer les informations. Comme une sauvegarde, par exemple. Alors là, la question c'est est-ce que je sauvegarde maintenant? Mais je pense qu'on est obligé de sauvegarder maintenant, c'est ça? Oh là là. Oh, c'est pas mal fait. Bon, enregistrement nécessaire pour enregistrer la progression. Ouais, mais on en a qu'une, je vais pas la gâcher maintenant. On en a qu'une. Oh là là. Avia qui pense. Et allez, c'est parti. Non. Vous savez combien j'en ai dans les... Ah, tiens, Archiboulette, il faut que tu fasses... faut que tu fasses Lamentum. Et Witch Hunt. Deux jeux qui, à mon avis, te plairont. Voilà, Lamentum, c'est du Resident Evil, mais version 2D. Très clou-cloutesque. Et Witch Hunt, je te laisse le découvrir. Et je pense que tu peux kiffer, ouais. Je suis en train de les faire en ce moment. Witch Hunt, je le fais. Je l'ai programmé pour tous les jeudis. Pour les jeux d'ailleurs, les try. Comme sur Lamentum, mais j'en ai 11 là en ce moment sur Lamentum des sauvegardes. Bon. Allez, on va sauvegarder. Allez, c'est bon. Voilà. On n'a que 3 sauvegardes. Foutage de gueule. An old magnetophone. It looks like it works. Recording my progress might be useful if anything happens to me. C'est tout à fait logique. Ouais. My name is Caroline Walker. I came to Wild Burger Mansion seeking information about two girls in a photograph I received in the mail a couple of weeks ago. Mm. The last thing I remember before losing consciousness was arriving at the hospital and entering the mansion's main hall. I remember pain, and then nothing.
I woke up sometime later connected to a ventilation machine. And my eye had been removed. Why? Why would someone do such a thing? I don't know what the hell is going on in this place, but I need answers. Every time I close my eyes, I see those girls. Par contre, si tu parlais moins, am I going insane? Si tu parlais moins, peut-être que tu peux enregistrer 3 sauvegardes sur une bande. Putain. Pourquoi elle l'a retiré? C'est la lamentum. Et voilà, comme dit Aviala. Bon, ben c'est sauvegardé et j'espère que personne n'a clippé parce que non, c'est pas drôle. Je ne peux plus sauvegarder maintenant. Ça veut dire que si on veut s'arrêter, on peut pas. On s'arrache. Et sur Witch Hunt, d'ailleurs, plusieurs personnes qui ont dit ah, ça plairait à Archie, tu vois. Donc, est-ce qu'on peut récupérer le peut-être récupérer la clé molette. Bon, c'est là où je me fais je me fais flipper, c'est ça. Bizarre, je t'ai vu un soir dessus, il a l'air terrible, merci. Ah, grave. Et donc, faudra pas venir jeudi prochain, quoi. Bon, là, on va descendre, hein, c'est ça? Je vais voir si on peut récupérer ce par là. Comme shooter FPS, Witch Hunt, c'est pour Archiblet. Bah ouais. Je peux pas récupérer le. Non, on peut pas récupérer là. Ça, c'est débile. À ce point-là, ouais. Ah, c'est un jeu pour toi. Ah, puis il y a toujours rien. C'est marrant avec ses fringues là. Ce qu'elle a sur la boîte, j'ai l'impression que c'est une croisée. C'est un uniforme de croisé de paladin. L'escalier, il était où? C'était pas du tout là en fait. C'est bien. Pas du tout perdu en fait. Tout va bien. Par là. Ah! Le plan. Carte de cette zone. Oh, super. Bah oui, mais. Ouais. Contrôle. Je retire les vibrations, j'ai pas envie que. S'il n'y a pas de bouton carte. On n'est pas dans la merde. C'est quoi ce bruit? Ouais. Bon, si c'est une carte de la zone, super, mais on la voit que comme ça en fait. D'accord! C'est compris. Mais ça saxe un peu, non? Alors les salles rouges, c'est les salles où il y a des trucs qui sont toujours à looter. Bref. Okay.
scaphandre. Ok. What the fuck? Hein. Oups, il va y avoir un mass puzzle, je le sens dans ce jeu. Ah. Ah bah bravo. Celle-là on peut la loot, on a le droit. Ah F, merci le jeu. Tac. Donc là... Ok, donc quand ça brille, c'est que c'est là où on est. J'imagine que les trucs rouges, c'est là où il y a encore des trucs à loot. C'est drôle comme tu vas tellement plus vite que moi pour le moment. Peut-être, tu t'en fais beaucoup des Survival Horror, Archie? T'as fait beaucoup de Resident Evil? Ben, c'est peut-être pour ça, hein. Moi, j'ai fait Resident Evil 1, 2, 3, 0, 7 et 8. Ah ouais, il a commencé il y a un mois. Je lui demandais l'autre jour si c'était fait exprès pour pas qu'il vienne, pour qu'il puisse venir sans se spoil. Heart attack, ouais. C'est moi qui vais avoir une crise cardiaque, je pense. Ha! Nope, 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 nope. Pas mal quand même. Je sais pas, après peut-être que... Peut-être. Sous-sol, on voit le... Est-ce que ça serait là? Oui, l'escalier, je crois qu'on était arrivé par là. Radiologie, c'est pas marqué la radiologie? Camille des dentaires. Par contre, j'ai toujours pas d'arme. Je veux ma close. Ah. Le dossier d'un patient. Docteur William Wahlberger. Étant donné que la santé de la patiente est dans un état extrêmement délicat, et qu'un transfert pourrait aggraver sa condition, je déconseille de la déplacer dans un autre hôpital. La patiente souffre d'une insuffisance cardiaque et requiert une greffe immédiate. La patiente est décédée à 23h34 d'un arrêt cardiaque. Au moment de sa mort, elle tenait un objet en métal. À cause de la rigidité cadavérique, je suis incapable de lui retirer des mains. Un lambeau hexagonal, il manque une poignée. Ah putain. Donnez-moi une poignée. Je suis assez loin en théorie, ok. Il a l'air ultra long en fait. Pourtant, How Long To Beat dit qu'il est deux fois moins long que Resident Evil 1, donc je sais pas. On va remonter, j'ai pas envie de... J'ai pas envie d'aller tout de suite dans le sous-sous-sol. En tout cas, s'il y a une cloueuse et des clous, cela veut dire que... Il y a des monstres! Et je n'ai pas hâte à les rencontrer. Ou de les rencontrer. Judith décapitant Holoferne. Peint par le Caravage en 1602. Ok. On présente Judith décapitant le général assyrien Holoferne dans sa tente après l'avoir acharné. La reproduction de l'œuvre du Caravage est saisissante. Joli tableau, c'est clair. Tellement joli que... Joli screen. N'oublions pas que je suis un cas unique de slow runner. Non mais ça dépend, on dirait vraiment l'original. Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Et puis l'autre côté, ok. Ça dépend de...
de ce que, de ce qu'on fait tous. Par contre, je suis un peu paumé au niveau du... Parce qu'on est toujours dans le couloir, là, mais... Alors qu'on devrait pas. Mais bon. Apparemment, si. Bon, et eh ben écoutez. Ah, j'ai pas vu ça, dites donc. Ça, c'est un seul truc qui m'inquiète aussi. Ça, en plus des sauvegardes, hein, c'est de louper des indices parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas ultra visibles de loin. Le journal de Maria Wildberger. Non, reviens. Merci. 6 juin 1963. Je redoutais ce que William ferait en me voyant ma peau nue. Mais mes peurs étaient infondées. Il m'a accepté même avec les cicatrices que le fouet de mon père avait laissées sur mon dos. Il m'a demandé pourquoi mon père avait fait cela. Bien sûr, je lui ai expliqué que la douleur servait à expier mes fautes. William ne verra plus jamais mon père du même œil. La zik est bien stressante aussi, hein. C'est l'ambiance sonore, ça fait quand même pas mal de choses dans ce genre de jeu aussi. Et là, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien fait. Bon bah allez, hein. Oh putain, d'accord, ok, pas de souci. Bon, bah sans cloueuse. C'est pas top quand même. Y'a pas une porte en face là? Ok. Bon, on va aller à l'opposé du monsieur en roulette. Oh là là, la caméra! Ploc. Le corps a été mutilé. Oui? Bon sang, décidément, qu'est-ce qui se passe ici? Ben... Floc. Ok. Putain, la caméra qui tourne, oh là là, c'est bien foutu, c'est bien stressant. Allez, monsieur Arboulette. De toute façon... Tu sais quoi, Archie? Quand je flippe dans un jeu d'horreur, je repense au docteur Trauger. Et du coup, je flippe moins. Le penseur avec un masque à gaz. Ok. Ça me donne envie de faire sortir les arcs-en-ciel de ma bouche. Je comprends. C'est hyper méga cliché caricatural, mais c'est fait avec amour. Ah ouais, non mais ça se voit, hein. T'as pas la ref? Docteur Trauger, c'est dans Outlast. C'est pour moi la pire scène, le pire moment d'horreur. Alors après, c'est un jeu que j'ai fait au tout début où je streamais. Hein. C'était au tout début du stream, mais... donc c'est vraiment... C'est, peut-être que si je la voyais aujourd'hui, ça serait pas moins stressant, mais... Le docteur Trauger, c'est le mec qui te poursuit dans Outlast, dans l'infirmerie, là. Tu dois te planquer sous les lits et tout. Je sais pas combien de temps j'ai passé là, et je te jure que j'en pouvais plus, quoi. Du coup, pour moi, c'était le pire moment d'horreur dans un jeu vidéo que j'ai eu, c'était ça. Fermé depuis l'autre côté. Les doigts. Ah, c'est vraiment là. Oh.
dire. Non. Non, non, non. Là, non. Bah, on va aller ailleurs. N'empêche, c'est la plus mignonne héroïne des jeux d'horreur que j'ai vu. Ah bon? Bof. Même plus que médium. Moi, je trouve qu'elle a la classe, l'héroïne dans médium. Je me souviens pas de médium. Après, elle est mignonne cliché quoi. elle est mignonne cliché. C'est à la limite du. C'est à la limite du pas bien. Tellement c'est cliché en fait. Mais bon. Medium, si seulement t'avais la force de le refaire. Tu l'as pas fini? Plus que les belles de Resident Evil. C'est vrai que dans Resident Evil aussi. Ouais, t'es là. Là, en plus, je peux même pas sauvegarder, quoi. Bon, si ça se trouve, il sera plus là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va plus être là, non? Il va partir. Il va se lasser, vu qu'il peut pas passer la porte. Il va se lasser. Le seul problème, c'est que pour ressortir, il faut que je fasse un demi-tour. Tiens, si je fais. Non, ok. Plus que les 1000 likes, j'ai fait ski. C'est un peu mon jeu maudit, je dormais à chaque fois en live. Ah oui, c'est vrai. Je dis mignonne, pas une bombe, juste mignonne. D'accord, ok, compris. Bon. Ok. D'accord. Bon, à moins qu'il y ait un truc pour le... Pour le kite, je vois pas. Ah si, on peut le kite en fait. Si, on doit pouvoir le kite avec la rampe là. Parce que sinon je vois pas trop où est-ce qu'on devrait aller en fait. Sinon je vois pas trop. Pourquoi fais-tu ça? Ah bon? Ok. Bah si tu le dis. Hein. Si seulement j'avais une clouteuse. Ça m'appelle qu'il n'y a toujours pas de nouveau Tomb Raider, je kiffe tellement cette licence, j'ai hâte avec Unreal Engine 5. Faudrait que je fasse le 2. Et le 3. Ça va venir. Laissez le temps à Square Enix. Et à Eidos. Bon bah écoutez, hop, hein. On prend notre courage à trois mains. Ah! Je sais pas comment tu fais, Ben. Mais c'est toujours au bon moment, hein. Toujours au bon moment, quoi. Merci. Ben qui nous dit ah que coucou. T'as le métier qui rentre. Ouais, mais c'est bon là, là t'es devenu un vétéran là. Oh là là. Allez, on y croit.
Merde. Ok. Non, il faut le faire différemment. Faut aller à gauche. Toujours dans les moments adéquats qui claquent le nom. Mais grave, il est très bon. Ah, il faut attendre qu'il se barre en fait. Ok. Je sais pas si c'est possible. Et j'avoue que j'ai la flemme de re-tout loot là. C'est un peu chiant. Mais bon. Et on a vraiment rien qui pourrait nous aider. Changer de vêtements. Ah, mieux. Je préfère. Cool. C'est plus logique. Comme ça, on se fait griffer les jambes au moins. What the hell is going on here? Mais qu'est-ce qui se passe? My child, you are pale. What happened to you? Je te fais un dessin ou t'arrêtes d'être con? A person in a wheelchair with knives in his hands was chasing me. Oh, it's you. Don't you remember me? I'm the town priest. We met here in the chapel only a couple of days ago. What? I'm sorry. I don't remember you. I certainly don't remember coming here before. I see. Perhaps I'm mistaken. I'm old and get confused every now and again. Mm-hmm. What is going on here, Father? Where is everybody? The patients and the hospital personnel have been transferred to the new hospital in town. This old mansion has been left pretty much abandoned. Why are all the lights off? I don't like this. I feel the same. Something evil is happening here. Something wicked that hides in the shadows. Is there a way to turn on the lights? The old generator has been playing up. It happens sometimes. Go to the end of the hall and through the door that leads to the generator room. You can restore the power from there. I see. I'll do that. Wait. Take this with you. It's not much, but it might be useful. It's dangerous to walk around the mansion unarmed. Une cloueuse? Thank you, Father, but what are you going to do without a weapon? My child, with a Bible in my hand, God protects me. Ah, ok. Une cloueuse avec un réservoir d'air modifié pour augmenter sa puissance. Ooh, yeah. Ok, alors ok, apparemment ça nous a pas touché. Non, si c'est pas fait exprès. Le jeu de jambes, tu dis, mais pas branché. À mon avis, on est censé de pas se faire toucher là. C'est le début et qu'on n'a pas d'armes. Clic droit. Et clic gauche. Logique. Et shift en esquive. Clic droit et shift, ok. R pour recharger. Logique. Ah bon. Elle a quand même le nombril à l'air. Hein.
Il va le dire. C'est F pour la map, c'est vraiment bizarre. What? Ah, on est nulle part ici en fait. Ok, on est dans du rien. Pam 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 pam. Ouh, un pied de biche bien rodé. Ça veut dire que il va casser en un coup en fait. C'est ça que ça veut dire. Il a été un pied de biche réparé avec du scotch. C'est pas branché, mais qu'est-ce qui va brancher? Oui, c'est l'ordi, ok. Je le sens mal, le pied de biche. Looking for information about the two girls in this photograph. I see. What do you want to know about them? Anything, really. I was hoping to find some leads around here. I don't know what you're looking for, but I can tell you these girls are no longer with us. There was an incident some decades ago where they disappeared, never to be found again. That sounds terrifying. Indeed, if you want more details, you could try the mansion library. I'm sure you'll find something there. Thank you, Father. Take care. Coucou Horus, comment vas-tu? I came here looking for information. Ok, c'est la même chose. Non. Thank you, Father. Ah mais on peut pas avoir le... Oh là là, on peut pas avoir le... Le briquet et le... D'accord. Oh là là. Oh, ça va être lourdingue ça en fait. Et on peut pas changer... Ok. Ça met même pas la pause quand on fait ça. D'accord, ok. Pas de problème. Équiper... Si je fais clic droit, c'est... On peut l'équiper. Non, même pas. Même pas. Ok. Oh, ils ont décidé de le faire en version relou. Merci, Fix. Bah, ça va bien. Oui, ça va bien. À part que je recommence le taf lundi, mais bon, faut pas y penser. Ok. On va aller voir là d'abord. Ah ah. Journal de Maria Wildberger. Page B. Chapitre B plutôt. Descends le pont-levis, il qui nous. Pour pas bosser lundi. Ouais. Premier janvier 67, William m'a promis que déménager au manoir, près de là où l'hôpital est situé, serait mieux pour nous deux, que cela nous permettrait de passer plus de temps ensemble. Cependant, ces derniers temps, il passe tout son temps au travail. Je m'endors la nuit en attendant son retour. Sa passion pour la médecine est pourtant ce qui m'a fait tomber amoureuse de lui. À l'origine, serais-je égoïste? C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. William est rentré en courant dans notre chambre. Cherchant quelque chose, il a parcouru la pièce du regard, ne m'accordant que quelques brefs instants d'attention. Puis ses yeux se sont reposés sur moi, grands ouverts cette fois-ci. William a couru vers moi et a posé une main sur mon front. Il a posé ses doigts sur mon poignet et m'a regardé quelques secondes d'un air incrédule au visage. Sa voix tremblait lorsqu'il a pris la parole. « Nous allons avoir un enfant », a-t-il dit. J'ai senti comme une nausée. William a posé sa journée, il se comportait comme un enfant, à rire et à parler du futur sans jamais lâcher ma main. Cette nuit-là, nous avons entendu des bruits provenant du sous-sol.
comme des objets en métal qui s'entrechoqueraient encore et encore. Nous n'avons pas réussi à trouver le sommeil jusqu'au petit matin. Oh là là. Oh là, qu'est-ce ? Des combinaisons anti-radiation sont alignées sur le mur. D'accord. Ah ah ! Oh oh ! Alors, cassé ou pas cassé ? Ah ! Pas encore cassé ! Pas encore cassé ! J'aurais peut-être pas dû. Tant qu'on n'entend pas le mec avec sa... Par contre, on a toujours pas sauvegardé, quoi. Vilain jeu, va. Vilain jeu. Ça s'ouvre pas, non. D'une équipe de maintenance. Il y a un problème avec le générateur électrique. La pression du gaz doit être exacte pour qu'il puisse fonctionner. La pression correcte est indiquée sur le panneau de contrôle. Hard hat area. Zone à chapeau dur. What? Gaz naturel. C'est en français? What? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là? Instruction, écritoire. Problème avec le générateur. La pression du gaz doit être exacte, mais on sait pas à combien. 0,2. À 2. Faut mettre à 2. Deux là. Je sais pas, j'ai l'impression. Attendez. Il y a un truc qui brillote là-haut. Il y a un truc qui brillote. Qu'est-ce qui brillote? Ah oui. Ah, une poignée. Calambou carré. Non. C'est une soupape en fait. D'accord. Ah non, c'est à 10 alors. Ouais, donc c'est à 10, pas à 2. 10. Oh! Yeah! Merci. Oh. Ils ont pas parlé d'un panneau de contrôle pour savoir la pression. Si, mais enfin non, il est en bas le panneau de contrôle. Justement, je l'avais mis à 2 parce que sur le bouquin il y avait marqué 2, mais... Pour ça après je me dis, ah, il y a une soupape, c'est qu'à mon avis... Il n'y a pas d'autres, je dirais pas. Donc il faut mettre à 10.
façon. Ok. Fermé. Ça, ça met à 4,5. Ça, ça met à 1,5. J'ai noté. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être trop RP avec le jeu. Pour 5. Ça, ça fait 2. Ça, ça fait 1. Ça, ça fait 1,5. Et ça, ça fait 2,5. Il nous faut 10. Ça fait 5, 6, 7, 8. Hmm. 3, 4. Je fais 1, 2, 4. Ça fait 5, 6. 7,5. 9. Ok, là, je fais 1, 2, 4, 5, 6. Ça fait beaucoup, je trouve. 2. Voilà, 10. Ça, j'ai pas trempé. Ça se trouve complètement. Hein. 10, 10. Pourtant, c'est toujours rouge. Soit tu t'es foutu de travers, soit tu passes 3 jours sur une énigme, soit 3 secondes, lol. Je... Ah, il faut le mettre à 11 parce que ça descend de 1. Faudrait le mettre à 11. Ça va être ça. Ok, alors... Du coup, ça voudrait dire... Ça voudrait dire... Que, à la place, on fait plutôt 1, 2, 3... Et 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3... 5, 6... 11... Ah oui, on a pensé pareil, grave. Mais c'est toujours rouge, hein. C'est toujours rouge. Donc si ça se trouve, on se fait troll. Ah non. Ouais. De l'électricité. Donc maintenant, on va pouvoir défoncer des trucs. GG à toi aussi, Tanera. On va pouvoir défoncer les trucs sans avoir la... le briquet. Tac. Tac. Trop facile ce jeu en fait, lol. Non mais c'est des puzzles qui ont été faits, refaits, refaits dans multiples jeux aussi. Hein. Donc, t'as la technique après. Alors, Donc alors, est-ce que...
Non, là. Ah, putain. Merci. Et c'est toujours rouge. Est-ce que ça veut dire que j'ai... L'anarchie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours des trucs à looter dedans, j'imagine, hein. Si c'est toujours rouge. On a peut-être dû louper du loot. Marche aussi la fait, refait ce puzzle. Ouais. Là. Ouais, mais tu vas voir, il va y avoir des puzzles où moi je vais passer 10 000 ans et Archie les a fait en un clin d'œil, c'est évident. C'est rouge, ça veut dire que t'as loupé un truc. Bah écoute, si ça fonctionne comme dans un Resident Evil, sur la map, s'il y a du rouge, ça veut dire effectivement qu'il y a un loot. Ça, alors ça peut être un loot de ressources ou alors un loot d'objets de quête, quoi, ou un puzzle à faire, tu vois, ce genre de choses. Un truc à faire, quoi. Il reste un truc à faire. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est pas encore... qui est pas encore dispo, tu vois. Ça peut être un coffre fermé. Et bon, là je vois pas trop... je vois pas trop... Alors, la salle est comme ça. Pourquoi il me met pas à la bonne salle à chaque fois? Non, je sais pas. Bon, on va sortir par là, on va voir. Hein. Ça vous sonne l'algorithme de la DJ, je me demande parfois. Le plan sur le panneau, c'était le même plan en montant le petit escalier. Juste aller réamorcer le courant. Mais on l'a réamorcé le courant déjà en fait. Mais je vais bien y retourner. Si tu penses que. Le plan sur le panneau en remontant le petit escalier. Plan sur le panneau. Là. Ce truc là, c'est le plan qu'on a loot déjà. C'est la carte de la zone. Ça nous dit où on est. Mais je l'ai déjà. C'est ça auquel tu pensais ou. Ou il y avait autre chose. Ça, ok, bah on l'avait déjà. Je l'ai pas regardé exprès puisqu'on avait déjà la map en fait. Alors je vais repasser par. Du coup. Par contre, ça nous c'est intéressant parce que ça nous donne notre position en fait dans la salle. Ça nous donne la position dans la salle donc c'est pratique. Coucou Raza DP, bienvenue. J'aime bien ce jeu, ça me rappelle le premier Resident Evil. Ouais, ouais, je comprends, c'est à mon avis fait pour. Attention, hein, pas de spoil, ni de conseil, ni rien. Si tu connais déjà le jeu, tu ne peux rien dire. Hein. Même si je deviens tout rouge, ou tout vert, ou tout bleu. Peu importe. Donc voilà, la porte qui est là va m'amener vers le sous-sol ouest. Donc c'est l'autre qui m'intéresse en fait, puisque je veux... Même si nos raisons nous séparent, comme dirait Marc Lavoine. Ouais, peut-être, je n'écoute pas Marc Lavoine. Même le pourquoi c'est rouge ouvert sur la map, je peux pas dire. Non, même, je peux pas dire. Mais c'est gentil de demander. Et de proposer. Pour l'instant, je pars du principe que c'est comme Resident Evil. Et que ça veut dire qu'il reste quelque chose à faire. Mais... si c'est pas le cas, j'aime bien être surpris en me disant « Oh ! Non, en fait, c'est à cause de ça !»
Putain, merde! Qu'est-ce que j'ai été con pendant 20 heures de jeu! Pourquoi tu cites du Marc Lavoine? Oh, pourquoi c'est tout? Ok. Donc ça veut dire que... Oh là là, non, c'est pas ça qui me... C'est pas ça, c'est ça. D'accord. Donc en fait... Le noir, la sombritude, ça l'a fait flipper, mais pas possible en fait, d'accord. Intéressant. On va lui dire qu'on a réactivé le courant. Mais pas partout apparemment. You may find what you're looking for in the light. How can I find the... It's on the second floor of the east wing. Take the stairs in the main hall. Oh, you'll need to unlock the door in the waiting room. Alors, premier étage. L'est. Escalier, hall principal. Et il faudra déverrouiller la porte de la salle d'attente. Porte. Salle d'attente. Ok, ça marche. Y a que Ciel qui demande si pourra. Voilà. Et coucou Marc! Même la solution du jeu, ou encore dire comment tu dois jouer, on peut pas. Non, Marc! Vilain va! Oh là là, Marc! Nom de Dieu! Oh là 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 là. Ok. Eh bien. Bonjour à tous! Merci, Marc. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Monsieur Hugo From Hell! Et Marc, qui m'apprécie beaucoup, vu que je vais partir bientôt, je pense qu'il a eu raison de m'invoquer. Donc, tout à fait. Oh, Kohima, bienvenue, Kohima from hell, évidemment. Comment vas-tu, Kohima? Ça va bien? Ça fait un moment? Oh, je peux pas écouter la suite de la discussion, parce que sinon, je vais gâcher du temps. C'est pas bon. Et Marc, comment vas-tu, Marc? Ça faisait longtemps. Marc est un chat from hell. Tout comme Kohima, effectivement. Ah là 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 là. Bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de Yuppie Psycho. Et oh là là, il me reste plus que 2 secondes. Non. Ah bah dis donc. Merci Marc. Ça faisait longtemps. Je teste SnowRunner, c'est pas chill, mais très drôle de rouler dans la gadoue. Ça m'a jamais inspiré, SnowRunner. Thank you. Ça m'a jamais inspiré. Marc est un chat from... Bah oui, c'est un chat... Oui, tout à fait. Tous les chats viennent de l'enfer, évidemment. Bien. Est-ce qu'on a autre chose ici? J'ai pas l'impression. Je crois qu'on avait fait le tour de cette pièce-là. Bon, moi, je suis obligé de retourner là-bas. Et du coup, on va... Alors... C'est chiant, pourquoi est-ce qu'il met pas sur la... D'accord, dans la salle de radiographie, pareil, c'est tout, c'est rouge. Okay, on va sortir par là et on va essayer de voir où est le vilain. Peut-être qu'il vaut mieux sortir par là, en fait. Parce qu'on... sinon, là, il peut venir de la droite ou de la gauche. À mon avis, il vaut mieux sortir de l'autre côté. Voilà, donc on a fait ce qu'on avait à faire. On va faire ça. Tac. Toujours trop court, Monsieur Hugo. Eh oui. Je sais bien. C'est comme ça. Ok, j'espère que ça vise tout seul. Oh, toujours pas sauvegardé, hein. Putain. Fuck. Ah! Non, bah non! Non, merde, c'est comment? Putain, sérieux? Mais sérieusement? Vache! Ah, il est pas mort!
Comment ça? Il faut que j'en utilise deux? Oh, c'est abusé. Ah! Rechange! Putain. Ok. Bon, bien, on vient de découvrir le combat. C'est pas top. Mais bon. On a utilisé combien? Combien de clous on a utilisé? Trop, beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Oh là là. Ok, mais c'est pas grave. Il fallait voir. Alors qu'on aurait pu potentiellement l'éviter en fait, mais bon. Nouvelle heure ou ancienne heure car on change d'heure cette nuit? Ah, 3h du mat from hell. normalement on finit à 3h du mat, ouais. Mais je ne sais pas pour la nouvelle heure ou je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je ne suis pas décidé. Entre les deux? Est-ce que ça va entre les deux? En tout cas, elle a un briquet. Elle a un briquet perma. Très très cool. Maintenant, on est tranquille pour looter ici. Perma briquet. Comment ça va, Koima, sinon? Très Silent Hill, ce passage. Ouais, Silent Hill, Resident Evil. La totale. T'as un pied de biche, mais lui des bâtons dans les roues. Lol. Est-ce qu'on peut l'équiper? Tiens, c'est pas con, ça. Est-ce qu'on peut équiper le pied de biche, en fait? Ah, on peut équiper le pied de biche. D'accord. Après, je sais pas si c'est vraiment... À mon avis, c'est pas... Je sais pas. Ok. Bah attention, Horus, parce que tu connais le jeu aussi, toi. Si tu l'as vu, c'est archi, donc... je pense que tu savais qu'on pouvait équiper le pied de biche. Faut me laisser faire mes conneries et... Voilà. Pas estimé que j'ai déjà testé des trucs. C'est la morgue là. Et puis l'autre côté, on avait vu tout à l'heure. Encore 5 minutes pour gagner une heure. On va voyager dans le temps. Grave. C'était juste une blague, genre coincé les roues. Ouais, non, ouais, je sais, mais ça m'a un petit peu mis sur la voie en fait. Ok, j'ai l'impression qu'on a buté le mec pour que dalle quoi en fait. On a dépensé énormément de ressources pour rien. Et le truc qui est assez flippant, c'est qu'on a toujours pas looté une autre sauvegarde quoi. Et ça, ça me plaît pas. ça me plaît pas. Voilà. Ok, donc là c'est ouvert, bleu ou mordoré. La morgue, B, c'est pour bloquer, j'imagine. Non. C'est le générateur. Est-ce qu'on peut, du coup, maintenant... Est-ce que c'est débloqué? Ah bah ouais, on l'a débloqué. Peut-être la débloquer. En fait, on aurait pu totalement l'esquiver. Mais, on va pas recommencer, quoi. On va pas recommencer depuis la sauvegarde de tout à l'heure. Ça a saoulé sinon. Ça a un petit souci de peau à cause d'antibiotiques. Ah merde. T'es sous antibio parce que t'as... Enfin, on peut demander le... Ça se trouve, ça affiche toujours parce que le rouge, parce que. Voilà. En fait, on aurait pu faire ça. Ouais. Bon, tant pis. Hein. En plus, les soins sont pas top. Ok.
Ici, toujours rien. Stop! Montez. Darkwood. Ouais. J'ai archi. C'est ce que je disais, voilà. Moi, je suis pas capable de finir Darkwood. Je suis même pas capable de le commencer. Si on a fait la découverte. Ouais, on a la lumière là en fait. Ouais. Sorcellerie. Non, c'est à 3h, il est 2h. C'est à 3h, il est 2h. Oh, c'est ouvert? C'est pas ouvert, ça? C'est pas ouvert, alors. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Oh, du sang! C'est un bonjour qui tu passes à côté d'une perle. Ah non, mais je le ferai, t'inquiète, quoi, Image, je le ferai. J'ai pas dit que je le ferais pas. J'ai dit que je suis pas capable. On y passera 2 ans, quoi. On fera que ça pendant 2 ans. Darkwood. J'avais proposé de le faire pendant le mois de l'horreur, là, puis à personne qui avait l'air d'être motivé, donc je dis bon, bah, on va pas le faire. Donc c'est là que l'expression jamais 203 est à son paroxysme. Ou c'est quoi le bail? Le bail? C'est toi, bail. Alors, le registre d'une équipe de maintenance. Lucas Huston, créneau du soir. Maintenance électrique, 14h45. Les infirmières m'ont dit qu'une lampe dysfonctionnait à la maternité. Quand j'allumais la lumière, j'ai constaté qu'en effet, une des ampoules clignotait. Alors que j'allais la changer, un vieil homme s'est sorti de nulle part et m'a agrippé les épaules pour me repousser avec une force inattendue au vu de son âge. Il m'a dit de ne pas toucher à cette lampe. Je ne voulais pas entrer dans un débat, alors je suis simplement parti. Mais maintenant, ça me tracasse. Pourquoi ce vieil homme m'a empêché d'y toucher? Je devrais aller tirer ça au clair. On vient trouver des ressources ici. Rempli de médicaments variés, bah prends-les. Prends-les. Bouffe-les tous jusqu'à ce que ça marche. Chaudard coup de n'importe quoi. Lol, Koïma. La dernière fois que Koïma m'a dit « Non mais il est rapide le jeu et tout !» Et on a mis 150 heures à le finir. Je sais plus ce que c'était, mais... Non. Ah oui, c'est... Non. La dernière fois que Koïma m'a dit qu'un jeu était rapide, c'était... comment c'était? Outward. Et Outward, c'est un vilain jeu. Et je le savais avant, en fait. Je savais que ça allait être... Que ça allait pas être top. Et c'était pas top. Et du coup, voilà. Un jeu abandonné de plus. Un jeu rage quit de plus. Ça en fait 12 maintenant. Non, Dadia. Mais loot les médicaments, bordel. Oh là. What? Faut jouer à... C'est quoi le truc où il faut récupérer les... Ah oui, les... Il lui disait qu'il fallait... qu'on pouvait plus le récupérer. Il va falloir... Allez, encore! Ok. Ça
Sa poitrine était encore ouverte au milieu d'une procédure médicale, il lui manquait un cœur. Ah ! Ok. Faut un cœur en plastique. Bon voilà, tout ça pour dire que maintenant je ne croirai plus ce que Koi m'a dit. Ah, la lampe qu'il faut pas toucher, c'est du morse ? L'eau est coupée. L'eau est coupée. Bon, bah je vais... Je le fais quand même. Ok. Je m'attendais à ce qu'un vieux vienne me taper sur l'épaule, mais... Ça me va aussi, en fait. Comment c'est possible de plus... Franchement, j'aurais jamais dû sauvegarder, en fait. Nathalie Wood, elle est dark. Du coup, Nathalie Baye. Ah, d'accord. Ok. J'ai un sommeil avec la terre pour mon bien, je vous dis bonne nuit. Ça marche. Et Frix aussi. Frix et Horus, des bisous. Allez, dodo. Il y a un remaster de Witcher 1, tat. Ah bah ouais, c'est cool ça. Petite pièce. Oh, une bobine. Ah, une bobine ? Enfin ! Mais une seule quoi. C'est abusé. Abusé. Ah, oh, la caméra, mais merde, t'abuses. Non, tu ne peux pas me faire ça. La caméra, la musique, là. Non. Non, 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 non. Non, non, c'est non. Non. Non, non, il va y avoir quelqu'un qui va descendre. Non. Non, 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 c'est abusé, là. C'est trop, là. Non, non. Ah, là, 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 là. Bonne nuit, Frix. Bonne nuit, Horus. Des bisous. À demain, peut-être, à 15h. On va one shot un point and click qui s'appelle Bulb Boy, qui a l'air cool. C'est sale, mais grave. Grave, mais du coup je suis obligé de faire ça quoi. Ah, et on voit plus rien là maintenant. Ok. Super. Pète le miroir. Ok, ou pas. Allume les... Oui. Éteins. Rentre pas. Mais non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle est conne. Mais non, faut pas. Non.
évidemment. Est-ce qu'on peut revenir? Je crois que oui. Putain, la caméra! Oh non, mais... Ok, je me casse. Oh non, un autre... Chier. Attendez, là, ça serait bien que ça explose. Mais là, qui passe sans hypo à côté de la bonbonne d'oxygène. Boum! Oh! Caméra 1, caméra 2, caméra 1, caméra 2, caméra 1, plongée sur le parking. C'est largement abusé ce qui se passe là. Bien. Mais dis-toi, bon, il faut trouver un autre morceau de cœur, mais est-ce qu'il serait que de l'autre côté voir s'il n'y a pas autre chose qu'on aurait pu louper. C'est bien, Realms of the Haunting. Ouais, enfin, c'est un jeu que j'ai envie de faire en live. Qui a l'air très très cool. Je pense que ça serait ton style aussi, ouais. J'aimerais bien le faire, mais je sais pas quand encore, parce que je crois pas qu'il y ait de français sur GOG. Je sais plus s'il est sorti en français. Le micro, là, ça veut dire que, ah oui, c'est le truc d'enregistrement, ok, d'accord. Donc là, on était... La maternité. Pourquoi il y a un C? C'est parce qu'il y a une... Ok. A, B... On passe là. Le... Putain. Saloperie de moustiques. Il n'y a pas de moustiques normalement fin octobre. C'est... Bordel. Je regarde dans le placard de la cuisine, tu trouves un soldat pendu par les pieds qu'un tueur dans le cou. Hein? C'est pas le bon jeu. Non, c'est pas le bon jeu. Est-ce que c'est le moment de sauvegarder? Fuck. What the fuck? What? Hein? Je comprends pas. Je comprends pas. Sérieux? Ça spawn là maintenant? On peut pas sauvegarder là, c'est ça? C'est où la sauvegarde? Je sais même plus, putain, je suis paumé. Ok. Parce que là, au moins, on voit la position sur la map. On est là. On a faut une clé. On va sauvegarder ça plutôt.
Je sais pas si on veut sauvegarder en fait. Hein ? Non, pas là. Je suis un peu paumé là. Orientation, c'est pas top là. Radiologie. Merde, putain, pourquoi F pour la map ? Radiologie. Radiologie, c'est... What ? Ah, d'accord. Ok, alors ça serait là. What ? Je comprends que dalle à la map ! Que dalle ! Pour moi, c'était là où il fallait... Oui, mais non. Alors, regardez le tableau, là. C'est la salle du début. Ok. Ok, un miroir, ça. Oui, on va regarder, ok. Ah. Oh non, merde, putain, je fais espace pour... Fuck. Putain, mais c'est nul, les combats sont nuls à chier. Ah. C'est de ma gueule. Moi, il est mort. Non, il est pas mort, ok. Et puis moi je suis bientôt mort et il va devoir tout recommencer. Ça va être bien. Et voilà. Putain. Ok. Je trouve qu'ils y vont. Ils sont un peu bourrins pour les sauvegardes. Hein. Un peu beaucoup bourrins. Continuer, j'imagine. Eh ouais, bah putain. Ça va me gonfler, hein. Ça va me... Ça va me gonfler. Enfin, à la limite, c'est pas les sauvegardes, c'est les combats. À chier comme ça, ça va me saouler. Bon. Bonne nuit, Tanner, des bisous. Ok. Je sais plus où faut aller maintenant. Je viens de là. On a looté quoi ? Vache. Oh. Abusé. Faut recommencer les puzzles et tout au total. Et là, il n'y a pas encore de mob. Ok. Il y en a là. Ah, mais c'était pas du tout là où j'étais en fait pour les sauvegarder.
sauvegarde, que je me rappelle pour revenir. Ok. Donc ça c'est fermé parce qu'il n'y a pas d'électricité, d'accord. Donc c'est là. Là. Non, pareil. Ok. Vache. Ah ouais, non, on a même pas la map. Je me souviens du coup où j'ai arrêté, j'avais plus de save et je devais refaire Maastricht, alors la flemme, j'avais capté les trucs aussi, je crois. J'avais pas capté les trucs. Ouais, bah non, mais franchement, les combats. Non. Les combats. Vu que le jeu est difficile en termes de nombre de sauvegardes, si les combats sont pas, tiennent pas la route, franchement, même Resident Evil à l'époque où il est sorti, c'était mieux. Même Silent Hill, les combats sont mieux. Donc, foutage de gueule. Je sais même plus ce que j'ai loot ou pas. Je sais même plus ce que j'ai fait. On a joué pendant 2 heures. C'est abusé. Même ping-pong, les combats sont mieux. Tu veux dire Pong ? Où est-ce que je l'ai, la carte ? Je l'ai pas encore, la carte. Elle est lootée où ? Par DMC, là. Alors là, je suis sur le cul. Je m'attendais pas à ce que ça soit... Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi à chier, en fait. Parce que là... Ouais, bref. C'est pas grave. En 2022, quand même. Je comprends la nostalgie, mais il y a des limites. Ouais, vas-y, j'en ai rien à foutre, allez. Je sais pas où c'est, je sais plus où c'est. Par là. Évidemment que c'est pas par là. Mal au début, mais on prend le coup. Ouais. J'imagine qu'il faut lire. Hop. Non mais dans le genre... défoncer le... Non. Je vais arrêter de râler, de toute façon ça sert à rien.
JFK, pourquoi t'es pas content? Parce que les combats sont à chier. Et que... Parce que les combats sont à chier, voilà. Le jeu est difficile dans le sens où il n'y a pas beaucoup de sauvegarde. Et donc genre là, j'allais sauvegarder la deuxième fois. Et puis en fait, tout ce que j'ai fait depuis les deux dernières heures ont été niqués. Parce que j'arrive pas à fight. Parce que c'est de la merde. Faut que je passe à gauche. Va tout falloir apprendre par cœur en fait. Passer à gauche et après. On n'a pas la map ici donc. Mais non. Putain. Oh ta race, putain. Il y a tellement pas de ressources que ça va pas être possible. Non. Si, je sais plus. Fatigue. C'est dommage que l'ambiance est bien, quoi. Mais c'est gâché, quoi. C'est... Non, je suis déjà venu là. C'est gâché par le... Il faut looter un truc là. Parce que du coup, enfin, c'est pas drôle. C'est pas fun. De refaire les trucs encore et encore, ça coupe complètement le... Ça coupe complètement le rythme. Donc du coup, je pense que ça va pas être pour moi. Hein. Dommage, parce que ce serait des combats un peu plus gérables ou peut-être plus de sauvegarde à la limite. Parce que là, enfin, il faut recommencer. Il faut recommencer les puzzles. À tous les coups, je vais pas pouvoir retourner sauvegarder plusieurs fois. Il faudra recommencer le puzzle plusieurs fois. Si c'est pas aléatoire, on aura de la chance. Faut laisser venir et pas partir à gauche. C'est la première partie. Bah oui, genre je fais un jeu plusieurs fois moi. D'où je fais un jeu plusieurs fois. Je suis revenu en arrière. What? Je suis revenu en arrière. Comment ça se fait? Je comprends pas. Bon, faut attendre qu'il fasse le tour. Qu'il parte. Non, il est toujours là. Deux secondes, j'ai un chat qui miaule, il fait chier.
Ouais. Ouais, c'est le début et ça va rester le début pendant longtemps, à mon avis. À mon avis, je vais pas... Je vais pas avoir la motivation de faire ça. C'est là ? Non. Je sais plus où c'est. C'est là. Ah, c'est là. Ouais, super. Enfin, c'était cool hein, quand on est rentré et tout. C'était chouette, mais le refaire 10 fois. Va-t'en, je m'en fous de ce que tu as à me dire. Dégage. Pourquoi est-ce qu'on peut pas passer tout le dialogue ici ? Vu qu'on va devoir le faire 18 fois. Et il aurait dû, franchement, ils auraient dû mettre un truc de sauvegarde ici. Le joueur aurait fait ok, je vais pas sauvegarder tout de suite parce que c'est une seule sauvegarde. Je vais regarder ce qu'il y a autour, je vais faire oh, le puzzle et tout. Ah, le puzzle est fait, maintenant je vais sauvegarder. Il y a plus de sauvegarde sur Resident Evil. En plus des combats, il est fait. Ou alors, qui mettent un mode difficile. Un mode difficile comme ça, d'accord, et un mode normal avec, avec plus de sauvegarde, je sais pas. Je sais pas que ça va foutre non plus, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. C'est pas de me faire chier. Là, normalement, il n'y a pas de mob. Enfin, je suis déçu parce que j'attendais depuis un moment ce jeu, je l'avais vu l'année dernière et puis je me suis dit ah cool, je vais pouvoir le faire pour le prochain mois de l'horreur et tout. Là on a attendu de finir Days Gone pour ça et là je suis tellement déçu quoi. Tellement déçu. Merci Koima. Ah là, il manquerait plus que ça soit plus, ça soit pas, que ça soit aléatoire aussi. 1, 2, 3, 5, 6. Ah ouais. Évidemment. Ah oui, non, il faut. Ah non. C'est que je les ai pas mis en position 0, pardon. 1, 2, 3. 5, 6. Ok, on est à 11. J'ai bien noté. Non mais il est... L'ambiance est géniale. Le gameplay, hormis le combat, le gameplay est trop bien. Mais c'est juste qu'il est en mode hardcore de base, quoi. Et je veux pas... J'ai pas envie de jouer à un jeu hardcore. Si je veux faire un jeu hardcore, je fais un Souls-like, quoi. Tu vois. Donc... C'est la difficulté d'un jeu fait pas un jeu est bien ou pas bien pas en fonction de la difficulté du jeu quoi. J'arrive pas à m'exprimer correctement. C'est pas la difficulté du jeu qui fait si un jeu est bien ou pas bien. Je râle sur la difficulté principalement parce que je m'attendais pas à un jeu aussi difficile. Et il est difficile en termes des ressources, en termes de ressources très très légères et en termes de combat, de maniabilité de combat, pas top quoi. Alors il faut que j'ouvre un truc. Ok. Elle va pas sortir, c'est bien. Donc maintenant il faut que je. Y a pas un mode difficulté de niveau, non.
Et le problème, c'est que là, je sais pas quel document on a looté ou pas looté. Je sais plus, moi. Hein ? Je crois qu'on a looté tout ce qu'il y avait à looter ici. Non, s'il y avait les niveaux... De... Tu vois, si là, c'était en normal, je serais passé en facile. Hein. Sans honte. Je veux pas... Au cas où. On dirait du Siberia. Les... Puis la musique, elle est lourdingue, là aussi. Pourquoi, pourquoi là... C'est une musique de salle de sauvegarde, ça. You may find what you... Bla, 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 bla. You may find... Ah! It's on the second... Ok. F. Est-ce qu'on peut changer les touches aussi, parce que... Radiographie... Reste un truc à loot ici. T'as recommencé car t'es bloqué ? Non, j'ai recommencé parce que je suis mort. Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai pas sauvegardé. On a sauvegardé une fois au tout début du jeu, et puis après, j'avais la possibilité d'aller sauvegarder au bout de 2 heures de jeu. Et j'y suis allé, mais je suis tombé sur un mob, impossible de le buter... Et je suis mort. Voilà. À la moindre des choses, ce serait que le jeu sauvegarde après une cinématique, limite, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai pas vu ? Bon, alors là, il va falloir sortir. Esquiver. Parce qu'en plus, c'est ça, les mobs ils spawnent en plus. Enfin, ils... là maintenant ils ont spawn en fait. Donc il va falloir sortir. Courir là. Sans se faire taper par le mec. Remonter. Et puis retrouver la sauvegarde qui est je sais plus où. Je crois que c'est ça la sauvegarde. On va falloir. Là il y a un mob ici là. On peut passer là. Là il y a 2 mobs. Il va falloir foncer là, aller là, sauvegarder. Du foutage de gueule. Pas de sauvegarde pendant 2 heures, c'est chelou. Bah écoute, regarde. En fait, 2 heures, j'exagère, peut-être 1h30 quoi. Mais là, on n'a pas de sauvegarde sur nous. Et où est-ce qu'on l'avait looté la sauvegarde ? Dans la salle de maternité, je crois. Bon, de toute façon. Ok, dodge, bien, GG. Voilà. Et du coup, maintenant, je vais avoir envie de thésauriser mes sauvegardes, un truc de barge. Mais on va pas pouvoir, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est aussi... À tous les coups, c'est du style Resident Evil 0, où tu peux te bloquer parce que si t'as dépensé toutes tes ressources. Bien looté partout, en principe, il y en a assez, je reconnais que j'ai pas eu ce souci. D'accord, ok. Cool. Donc je crois qu'on était venu ici. Donc non. Devoir esquiver les mobs, j'avoue, c'est frustrant. Ouais. Ah, obligé, là, parce que... Il faut... On a assez de munitions, hein. On a assez de munitions, on a 37 clous, là. Mais il faut genre 7 clous pour le buter, le machin. Voilà, ici on est venu. On a lu. Donc on a fait tout ce qu'on a fait déjà, là. Là, je l'ai fait en speedrun, hein. Je l'ai fait en mode speedrun. Hop, putain.
Donc on a fait, on a esquivé un mob une fois, deux fois, on a parlé à un PNJ, on a fait un puzzle, on a looté ce truc-là, un soin, des munitions, le pied de biche, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5 documents, dont deux cartes, et on n'a toujours pas sauvegardé. Ici, il n'y a pas besoin, je sais. Il n'y avait pas quelque chose là si. Ah non. C'est rempli de médicaments variés, mais elle n'en prend pas. Là, non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que aussi, c'est que plus tu refais un truc, et moins c'est intéressant. Donc là, non. Là, il n'y a pas d'eau. Il y a une porte là en fait. Donc là, on abaisse ça, ça ouvre la trappe là. Peut-être qu'il faut aller de l'autre côté, hein, c'est possible. Non, si, si, on vient de cette porte là en fait. Ensuite, on a fait ça. Ici, il y a une bobine de sauvegarde, mais il n'y a pas la machine. Ah, j'aurais pensé que la machine serait là, quoi. Mais non. Là, il n'y a pas de machine. Mais oui. Je vais vous laisser, Jean Bonuté, Calin et Elki. J'espère que tu trouveras des sauvegardes, car le jeu est cool si tu mets des... Si tu mets pas des coups de pression avec les bobines. Bah, pour l'instant, ouais. Plusieurs mannequins sont recouverts. Je me suis un petit peu passé derrière. Je crois. Donc là, elle a fait. Oh là là, mon dieu. On peut allumer ça. Tac. Ça, c'est cool. Moi, je trouve ça très cool. Je trouve ça très très cool la façon dont c'est fait, ça. Un groomf. On peut quand même rentrer, je vais passer le truc, on arrive de l'autre côté. Mais il y a un strum. Du coup, je me suis dit, ben... Avant d'aller m'aventurer dans le Dark World, peut-être que le mieux, c'est d'aller sauvegarder avant, quand même. Parce que ça a pas l'air très très cool. Ok, on a vu qu'il y avait un mob au-dessus. Des bisous Archie, à demain peut-être si t'es dans le coin. Sinon de toute façon on ira te host comme d'hab. Donc je me suis dit ok, j'ai une bobine. Si le jeu m'a filé une bobine, c'est qu'il faut aller sauvegarder. Donc je vais sauvegarder. On y retourne. Maintenant, c'est par là. Et là, il y a deux mobs. Je sais pas. Enfin, je vais courir, hein. Voilà, c'est pour ça que j'étais rentré, j'ai vu les deux mobs, j'ai fait « Ah non, je passe pas par là !» Alors qu'en fait, c'est la sauvegarde qui est là. Mais le truc, c'est que je me dis, si je sauvegarde là, je vais quand même avoir les deux mobs à gérer. Est-ce qu'il faut pas que je bute les deux mobs avant ? J'en suis là, quand même. Est-ce que je vais pas gâcher mon truc ? Donc... Mais voilà, par exemple, Archie et moi, on n'a pas forcément la même notion de... La même envie de refaire les choses, quoi. Je sais pas, hein, pour toi, Archie, de toute façon, t'es parti, peut-être. Mais moi, refaire des choses encore et encore, si c'est pour avoir des âmes et les dépenser pour monter de niveau, ok. Mais si c'est juste parce que
il faut apprendre les choses par cœur. J'ai pas envie de speedrun, moi. C'est pas mon truc. Moi, je veux avoir l'expérience d'un jeu de A à Z et voir l'histoire et être content de l'avoir fini. S'il est difficile, c'est bien, mais là, la difficulté pour moi, elle est pas adaptée à moi, quoi. Moi, ce qui me casse le truc, c'est que je voulais un jeu d'horreur et pas un jeu de gestion. Bah ouais, mais les Resident Evil, c'est... C'est pour ça que je pense que les récents Resident Evil 7, 7 et 8, ils sont bien faits, en fait. Je pense que c'est un bon renouveau des Resident Evil et bien adapté à tous les styles de jeu. Hein, si on peut décider de le faire en difficile et il y a moins de sauvegardes, genre de choses, c'est cool. Mais bon. Bah c'est abusé, quoi. Elle a rien dit en plus, donc à mon avis, on peut pas utiliser le. À mon avis, il fallait pas sauvegarder là. Mais bon. On peut pas combiner avec ça, ok. On peut pas l'ouvrir le truc là. Parce qu'il nous faut un cœur. Alors après, peut-être que le. Peut-être que le manoir est tout. Enfin, peut-être que la baraque est toute petite, qu'il n'y a pas grand-chose, quoi. J'en sais rien. Juste moi, les anciens RE avant 7, j'ai mes moyens, les remakes sont plus accessibles, ok. Boule le 7. T'aimes pas le 7, toi, Koima? J'ai bien aimé le 7 et le 8. Les deux. Hein. Les deux. D'ailleurs, il y a l'extension du 8, là. Que je ferai bien. Bon, bah, on va essayer, on a sauvegardé maintenant. On peut crever, on va s'entraîner. Super! On peut même pas le stunlock. Juste me recharger la partie sans me faire passer par 14 menus le jeu. Donc. Tiens, est-ce qu'on peut le cheese du genre. Ah mais je suis obligé de me faire défoncer direct en fait. Et là, je peux pas le. D'accord. Non, moi, la gestion des ressources, c'est cool, j'aime bien. Bon, allez, on va essayer. Comment on peut faire? Comment on peut faire pour bouger, en fait? Parce que là, on a sauvegardé, mais. Je me prends un coup obligé, en fait. Merci beaucoup pour le follow, Irilith. Et en plus, il tire à distance, c'est con. Ah, il y a bien un dodge aussi, mais bon. est-ce qu'il y a un truc? Si ça se trouve, faut pas les buter, faut les dodge. Je sais pas. Et là, je vois pas trop comment on peut faire pour... Est-ce qu'il va se barrer au bout d'un moment? Est-ce qu'il faut que je reste un petit peu ici? Dans la R1, la gestion est équilibrée. Ouais, grave. Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je trouve qu'il est... Les combats étaient mieux faits dans Resident Evil 1. Là, normalement, les mobs, ils devraient repartir en patrouille quand même. Parce que...
S'il reste devant la porte, enfin c'est bien, c'est logique quelque part. Et puis en plus, je voulais pas qu'elle garde ces fringues d'écolière japonaise là. Merde. Je crois qu'il est toujours devant la porte. Laisse-moi barrer. Non, je peux pas, je peux même pas commencer à courir en fait. Et pour me remettre d'aplomb, il faut que j'en utilise deux. Donc du coup, j'en ai plus. Ok. Ah mais s'il y avait un mode fufu, je dis pas. Mais il y en a pas. Hein. Alors, oh merde, faut que je recharge. Il y a un dodge. Hein. Il y a un dodge. Mais le dodge, il est rigolo. Il est uniquement en arrière. Tu fais ça, et tu fais hop là. Je suis repassé en mode danger. J'ai plus de quoi me soigner. Ils sont morts tous les deux. Voilà, donc j'avais combien munitions? J'avais 37 balles, j'en ai 24, donc ça c'est correct, la gestion des munitions. J'ai plus de soins. Il y a visé au bas milieu comme Resident Evil. Ah, c'est pas con ça. On va un peu regarder ça. Faut que je crève. Allez. Il manquerait plus qu'il y ait aussi une fin de jeu. Une vraie fin si tu fais tout bien parfaitement. Alors, au bas. Non. Peut-être que c'est mieux au pad. Peut-être le one shot, mais j'ai pas l'impression, hein, franchement. J'ai pas l'impression. C'est simple, on va regarder les options des contrôles. Hein. Viser. LB, ça sert à rien. Tirer. Viser, il y a deux visées. Ah, deux visées, attendez. Contrôle moderne directionnel. Visé, non, c'est le même visé. Non, enfin je j'ai pas l'impression. Et de toute façon là je fais comment pour sortir sans me... Il faut que j'utilise ça. Je peux même pas taper une fois. Je peux même pas taper une fois sans me faire taper. Non mais recule! Oh putain, elle recule pas! Pourquoi elle recule pas? Pourquoi elle dodge pas en arrière?
Ok, on peut pas faire mieux, je pense pas. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. On est en attention, midlife. Ok. Bien. Continuons. Il est quelle heure là véritablement en fait? Il va être 2h dans 5 minutes, c'est ça hein? Je crois qu'elle est mal au ventre à moins qu'elle soit morte de rire. Peut-être qu'elle est morte de rire, ouais. C'est une grosse possibilité. Bon, j'ai pas envie de vous faire subir ça aussi, mon énervement. Il est où, putain? Putain, ça va pas être... C'est... Mais comment... Tape-le! Putain, c'est fait taper avant, quoi. Super. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, les kinos, là. Les outils chirurgicaux, ils me paraissent pas en très bon état, ok? Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ça me paraît quand même... Enfin... Waouh! Toi, tu penses que tu feras jamais ce jeu? Voilà, des radiographies. Pourtant, c'est dommage. Help! À l'aide, il y a marqué. Pourtant, c'est dommage, quoi. L'ambiance est vachement bien rendue. Et là, voilà, on parlait tout à l'heure de jeux que Archie, il faisait et que moi, je faisais pas. Genre Darkwood, par exemple. Bah, je pense que celui-là, ça va en être un aussi, quoi. C'est dommage, hein. Journal de William. Carrément dommage. Je peux même plus me faire rembourser. Tu te marres, sadique. 17 septembre 41, tandis que je suivais mon père en silence, l'horloge sonna 1h30 du matin. Je l'ai vu pénétrer dans le mausolée après avoir placé trois éléments sur une sorte de panneau et entré sans rien dire. J'ai suivi de loin en essayant de ne pas faire de bruit car je voulais pas qu'il me voie. Dans la tombe de mère, mon père s'est agenouillé et a posé ses mains sur la froide statue en marbre de sa femme. Puis il a commencé à prier. En fait, là, c'est comme un live de Joueur du Grenier, lol. Parce que j'arrête pas de gueuler, ouais, je comprends. Je me suis senti coupable de l'avoir suivi. C'est flatteur, n'empêche. Je me suis senti coupable de l'avoir suivi, voir l'homme froid et calculateur ainsi m'a ému. J'étais sur le point de partir quand père s'est relevé pour s'approcher de la statue d'ange. La tombe en marbre de mère s'est lentement déplacée sur le côté, dévoilant un escalier étroit s'enfonçant vers les ténèbres. Il a descendu les escaliers. J'ai hésité un certain temps, mes jambes refusant de bouger. Mais finalement, je lui ai emprunté le pas. Emboîté, non? Bon. Une fois à l'intérieur, j'ai entendu des bruits métalliques et l'écho d'une source d'eau. Quelques instants plus tard, je me suis cogné contre une échelle. Je l'ai descendu et je me suis retrouvé dans un long tunnel de pierre recouvert de tuyaux et rempli d'eau usée. J'ai aperçu la silhouette de père bifurquée au bout d'un couloir. Je me suis dépêché de le suivre. Devant moi sont apparues une énorme porte métallique, ainsi qu'un groupe d'hommes portant des tenues étranges comme celles permettant de se protéger de la radioactivité. Chacun tenait un marteau gigantesque. Mon père s'est joint en groupe et ils l'ont accueilli parmi eux en cognant leurs marteaux les uns contre les autres. Sur les lits d'hôpital, disposés de part et d'autre du groupe, je distinguais des corps recouverts de draps. Mon père a lui-même mis une de ses tenues dérangeantes. Dans ma stupeur effrayée, j'ai fait tomber une brique du mur. Elle s'est écrasée par terre avec le bruit de milliers d'immeubles s'effondrant en même temps. J'ai senti leurs yeux braqués vers moi tandis que je revenais sur mes pas en courant, leur voix gutturale hurlant de m'attraper et leur lourd marteau retentissant violemment sur le sol. Pas mal. Ouais, franchement, le scénar, il est cool, les textes, ils sont cool, enfin... Mais... Mais lol, quoi. En fait, lol. Je peux pas avoir un soin? Dark Occult, t'es pas intéressé à le faire? Je sais pas. Si, je sais pas. Là, comme ça, ça me dit rien. Moi, je suis intéressé à tout faire. Ah, le deuxième côté du cœur.
Ça, t'es bien. Ça, c'est bien. Un cœur en plastank. On sait quoi en faire du cœur en plus. On va récupérer la manivelle qui est bloquée dans le. Les médicaments sont bien rangés. File-moi des soins, le jeu. File-moi des soins. Merci. Yes. Putain. C'est un jeu pour moi. Ah. Dark Occult. Attends, je suis curieux maintenant. Wow. Oui, il faut le mettre en... Dark Occult. Ah bah je l'ai. Je l'ai, les OFR. Ouais, grave. Si, m'intéresse. M'intéresse. Il a l'air cool. Comme ça. S'il faut pas apprendre à speedrun le jeu, moi, tout me va. Hein. Bon. Imaginez là, les mobs respawn. Hein. Putain, si les mobs respawn, là, c'est bon, je rage quit direct. Oh, il est 2h. C'est bon, ça respawn pas. Yeah. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose? Salle d'attente. Il faut aller dans le hall principal. Ah oui, il faut... Ah mais oui, voilà, c'est ça. Il faut... ok. Donc ça, on peut faire. Sauf s'il me respawn des mobs. Merde, je suis... La porte... Ok, donc c'est à gauche, là. Loot. Loot. Non, pas de loot. Là, on va pas le buter. Voilà. Ensuite, le monsieur, on lui fout un cœur. Ça rentre pas? Bah pourquoi? What? Ok. Coucou Winsfeld, comment vas-tu? Pas t'inquiéter pour les mobs. Ah, me dis pas ce qui se passe ou ce qui se passe pas. S'il te plaît, pas de spoil, merci. De toute façon, je pense pas que... Enfin, là, pour l'instant, je suis ultra vénère contre le jeu et donc je pense que... Je pense que... Tiens, est-ce qu'on peut utiliser ça? Non. Je pense pas que je le continuerai. C'est... Le speedrun un jeu, juste pour voir la fin, ça m'intéresse pas. Bon, bah je comprends pas, je vois pas. On lui met un cadenas dedans hein. Pourquoi ça marche pas là? Est-ce qu'il faut le mettre sur le... Ça semblait logique en plus. On peut pas... Il nous faudrait... Il faut des écarteurs thoraciques ou une connerie comme ça. Il est un peu dur par moment, mais c'est un très bon jeu. Il est impossible... À mon avis, ça va être impossible. Je pourrais pas le faire, Winsfeld. Je ne pourrais pas. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai joué 2h sans avoir une seule sauvegarde. Je me suis fait buter par un mob parce que les combats sont à chier. Et du tout refaire, non, ça m'amuse pas en fait.
J'ai même trouvé Resident Evil 0 plus facile que ça, pour l'instant. Alors que là, on est qu'au début, j'imagine pas la suite. J'imagine pas la suite. Donc, non, j'appelle pas ça dur, j'appelle ça hardcore, moi, personnellement. Après, voilà, hein, je suis très mauvais, probablement, mais... C'est dommage, parce qu'il a l'air bien, effectivement. Il a l'air très très bien. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime bien les puzzles, mais... Mais non. Ok, donc peut-être qu'il faut le mettre dans le squelette. Mais il me semblait pas qu'on ait possibilité de faire ça. Donc je vois pas trop. Est-ce que ça nous dit... Ah, peut-être qu'il faut, peut-être qu'on peut l'adapter en l'examinant. Non. On va retourner là où il y avait le... Là, j'ai pas de sauvegarde, j'ai pas de soins, enfin... Apparemment, les modes respawnent pas, hein, de ce que tu viens de dire, donc ça, c'est bien. Ça m'aurait fait rage quit direct. Je sais que j'étais sur JRFL. Ça marche, Koima. Est-ce qu'on peut pas... J'ai pas l'impression qu'on puisse le mettre. Il n'y a pas d'emplacement. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Non. Si j'échange la cible de mon mobile avec le même numéro, est-ce que je devrais transférer les données à des trucs double authentification ou pas? Non. Si tu changes de cible, le seul truc que tu dois transférer, c'est si tes numéros sont stockés sur... tes numéros de téléphone sont stockés sur la carte SIM ou non. Mais normalement, il n'y a pas... Tout le reste, les autres, le reste des données, c'est stocké sur le téléphone, pas sur la carte. Donc, j'ai envie de te dire non. Surtout si t'as le même numéro. Tu changes pas le mobile, tu changes pas de numéro, normalement c'est bon. De rien. Bon. Ben, j'étais persuadé qu'on allait pouvoir mettre le cœur dans le gars. Que ça aurait fait le... Ça aurait pompé le sang... Et que ça aurait relâché la main. Mais apparemment, c'est plus compliqué que ça. Désolé, Vinsfeld, hein, je râle, mais je suis, ça m'a remonté d'une force. D'habitude, je suis zen, mais là... ça m'a saoulé. Oh. Ok. Bon, alors, il y en a un autre là de mob. Mais j'ai plus de life. Si je crève, j'en ai encore. Je rebute les trois autres. Est-ce qu'il y a quelque chose après ce mob là qui m'intéresse? J'ai pas l'impression. Comment j'ai bossé un bon moment sur celui-là? Ouais, non, mais j'en doute pas. Si comme il y a Archibolet tout à l'heure qui était là et qui expliquait qu'il avait... C'était galère un petit peu avec le combat et qu'après c'était bon. Et qu'une fois que tu gères le combat, bah tout va bien. Mais j'imagine qu'avec un shotgun, ça doit aller mieux. Si tu one-shot ou two-shot les mobs, ça doit être bon. Mais là, il faut je sais pas combien de clous et c'est pas... Bah facile, quoi. Est-ce qu'il faut pas... On peut combiner ça avec autre chose? Non, on peut pas.
Parce que j'étais en train de me dire, si ça se trouve, il faut faire fondre le plastique de, du cœur pour l'adapter. Mais ouais, en tout cas, un gros GG de l'avoir terminé, parce que... Parce que waouh. Est-ce qu'on peut aller là? Pas encore, je crois. Bah, l'histoire a l'air très très cool, oui. Ah, mais comme je dis, c'est pour ça que je suis... C'est... En fait, le jeu serait pourri. Le jeu serait totalement pourri. L'histoire pourrie, l'ambiance pourrie, les dialogues à chier. Ça m'aurait pas embêté, j'aurais fait « Ok, ouais, le jeu est pourri, j'y joue pas, point. » Mais là, c'est les combats et la difficulté, en fait, qui me pose souci. Et encore la difficulté. Merde, c'est pas ça que je veux faire. La difficulté, je veux bien. Mais là, c'est pas ma difficulté, quoi. On a rien. La déco est bien réalisée. Mais ouais, c'est clair. On se croit dans un entrepôt Ikea. Donc, non, non, non. J'ai absolument pas dit que c'était un mauvais jeu. Non, non. Je pense que c'est un bon jeu. Je suis juste hyper déçu. Ah oui, mais je l'ai pas tué, du coup. Lui. Je suis barré. Mais est-ce qu'on a quelque chose qu'on n'a pas fait là? Peut-être que la morgue s'ouvre... Peut-être que la morgue va s'ouvrir. Vu qu'on a remis le jus. Faut le voir avec le regard de notre reine du bon oeil. Ouais, moi j'aimerais bien capter ce qui se passe. Pourquoi elle a perdu son oeil, il s'est retrouvé à poil avec un tube dans la bouche. Là, je rentre et je vais me faire défoncer. Évidemment. Évidemment. Donc la réponse est non. Peut-être qu'il faut y aller allègrement sur les munitions, vu que les mobs respawnent pas a priori. Aviat a pris la 4090. LOL. Ça y est, ils ont sorti les 4000 et les séries 4000. J'en ai pris deux pour assurer la puissance. LOL. Je suis blasé parce que tout ce que je suis en train de faire, enfin, je le refasse à tous les coups. Bon là, y a rien de plus. FIFA est gourmand, ouais. Moi, je suis en train de me tâter à... pour la config que... Ma future config, là. Et à chaque fois, je regarde le prix et je me fais, putain...
Il faudrait pas, ça va servir à payer l'électricité. Mec, aide-moi. You may find what you're looking for. How can I find? It's on the second floor of the east wing. Thank you. Take care. Mais merci pour rien, mon père. Putain. Heureusement que le briquet, il est infini, hein. Ah, imaginez sinon. Bon, bah il faut que j'aille dans le monde des bargeaux alors. C'est ça, hein. On n'a pas le choix, en fait. Gogo sur les 13e d'Intel et le Kino de toute beauté. Mais en fait, justement, Avia, faudrait que je t'en parle. Ouais, mais non, mais c'est trop cher, je pense. J'aimerais bien me prendre un i9, mais... à chaque fois, j'ai l'impression... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que les i7 sont plus... sont plus puissants. Bon, rapport qualité-prix, quoi. De s'acheter les super ordinateurs de la mort, on pourra pas les utiliser à cause des coupures d'électricité. Exactement. C'est ce que j'étais en train de me dire, justement. Ok, bon bah on va retourner là où je veux pas aller, en fait. Si ça se trouve, c'est plus facile que tout le reste que j'ai fait là. De toute façon... On va die, hein. La 6900 XT, la RTX 3090, 1600$ de putain. What? Y'a rien à loot ici, hein, je crois. Rien de plus à loot, je devrais dire. Whoop whoop. Whoop whoop. Whoop whoop. Si je tirais vraiment dessus, en fait. Je vais pas me prendre la tête pour les ressources. On va dépenser toutes les ressources et après je gueulerai. Là. Elle baisse l'arme quand il est par terre, mais il faut se rapprocher, en fait. Sinon, elle le fait pas. Oh, il y a un bébé chelou... tac. J'ai l'impression qu'on a plus de clous que de soins et de bobines. Hein. Ah bah ouais, d'accord. Ah, si ça se trouve, c'est un... C'est bien le Dark World. Comme dans... Merde. Je peux pas l'utiliser? What? Ah ok, comme ça. Ça se trouve, c'est bien le Dark World, on est dans un... Je le mets là et ça va... Et ça va allumer le... Ça va mettre le cœur dans le mec dans l'autre monde. C'est possible, hein. Ça serait cool. Et non. Alors bref, attends, j'ai cru qu'il était en vie. Elle ? Pardon, elle. Alors, là. Good. Là. Good. Là. Good. Là. Je peux pas l'ouvrir. Ça m'arrange, en fait. Je vous avouerai. Là, ça a l'air d'être fermé, ça. Oh. Ça bouge pas, je vais devoir forcer l'ouverture.
Rien ne se passe, ok. D'accord. On peut pas pour l'instant. Je reviens là. Reporo, je me suis endormi, j'ai rien compris. C'est pas grave. Faut comprendre que j'ai râlé, quoi. J'ai gueulé, c'est tout. Je gueule. Je râle. J'aime bien ce jeu et je ne l'aime pas à la fois. Voilà. Alors. Est-ce que ça a fait que ce que je pensais que ça avait fait? Oui, ça s'est refermé. Trop bien. Donc maintenant... Yes. Ok, donc c'est bien, c'est le Dark World en fait. Poignée, un T, il manque un bout. Ça tombe bien, on en a un. Ok. Merci. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de respawn de mobs, quand même. Une couette spoilante. Je vais leur mettre une baballe dans leur boubouche et comme ça, ça fait une bouboule. Putain, ça remonte. Hein. 2018. Bien sûr. Bien sûr. Ah! Je veux pas savoir. Ok, non. T'as raté. Tu as raté qui. T'inquiète, ça va revenir. T'inquiète. Tu vois là, Koïma. Oh, oh, oh de Dieu. Tu vois là. Koïma. J'ai toujours pas sauvegardé. On a toujours pas eu de sauvegarde. Ça marche là? Yes. Toujours pas. Attends, on a fait pas mal de trucs là. Il va y avoir 6 millions de mobs là, je suis sûr. Quand c'est étonnant que t'aies pas plus de save. Ah bon? On en a eu deux. On en a eu une au début, quand on a commencé, là, après 3 minutes de jeu. Et une après 1h30, entre 1h30 et 2h de jeu. Mais tu sais, j'ai pris mon temps pour tout regarder, etc., etc. Et c'est tout. Peut-être que là, il n'y a pas l'air d'avoir de mob ici. Faut prier pour qu'il y en ait une. Mais Archie m'a dit qu'il n'avait pas eu de soucis au niveau des saves, donc... Moi si le jeu est réglo, il n'y a pas de soucis, mais... Je l'ai senti vraiment, vraiment injuste, quoi. C'est ça qui m'a mis hors de moi. Je vais pas... Non, on va pas zoner tout de suite. La crise aussi, l'essence d'écologie, les saves sont chers. Eh ouais, c'est vrai. Après, j'en ai peut-être loupé, hein. Il y avait plus de saves de la sortie du jeu. Après, j'en ai peut-être loupé. Non, je ne jouerai pas du piano tout de suite. Même debout. Et save était dans le DLC à 7€. Ah putain. Non mais comme je dis, si je chope une... Je pense que ça, c'est le genre de truc qui fait tout aussi. Tu chopes une nouvelle arme, tu commences à comprendre comment le jeu il fonctionne et tout. Une vieille cabine téléphonique et son leur service. Et ben du coup, ça aide, ça motive, tout ça. Mais bon... J'ai pas encore expérimenté ça, là. Mais ça va venir. J'aime beaucoup les angles de caméra, hein, en tout cas. Évidemment... Ah oui, c'est la même cabine, en fait. J'essaie de rentrer derrière le... derrière le comptoir, là. Mais... Je sais pas si le jeu, il veut... À mon avis, il veut pas.
Non. Fuck. Donc même pas de sauvegarde là en fait. C'est abusé. Donc maintenant faut trouver la porte où il n'y a pas 3000 mobs. Parce que j'aimerais bien m'arrêter de jouer aussi. Ok, il nous faut une serrure en croix. Parce que j'aimerais bien arrêter là. Quand même. C'est fermé depuis l'autre côté. Bon, on va jouer du piano, ça va faire venir des zombies, c'est ça? Du piano, malheureusement, je sais pas en jouer. Ah bah. Je sens qu'il va quand même falloir en faire. Je viens de là? Je viens de là. Ah, il avait dit qu'il fallait aller... Premier étage de l'aile est. Premier étage de l'aile est. Voilà. Premier étage. Pour la bibliothèque. La nymphe délaçant sa sandale, sculptée par John Gibson. Ok. Fermé depuis l'autre côté. Sympa. Sculpture représentant deux anges, des jumelles, l'une réconforte, l'autre éplorée. Cool. Porte qui s'ouvre, dites donc. Ah. Aha. Ce n'est pas une musique de... Ce n'est pas une musique de Save Room. Ok, il y a une trappe là. C'est fermé depuis l'autre côté. Je comprends pas comment dans les jeux ils sachent que c'est fermé de l'autre côté. C'est chelou. Bah, c'est vrai, chat. Mais tu as tout à fait raison. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que c'est que le trip avec... Avec les scaphandres, calendrier, 94. Ok, on est le 16 décembre 94. Yes. Il y a une célèbre viewers influenceuse. Diantre. Donc toujours pas de sauvegarde. C'est vraiment du foutage de gueule, hein. Vraiment. C'est ultra abusé. Ah, à moins que ça soit une sauvegarde, ça. Ça, c'était une sauvegarde, c'est un enregistreur. Mais on n'a pas de cassette. Non, à mon avis, c'est pour lire une cassette. Je dois insérer une cassette, d'accord. Et là, elle doit insérer un film, j'imagine. Non, rien, ok. C'est à l'ancienne pour l'essai, vraiment, mais il y en a assez pourtant. Bah, oui, non, mais je suis d'accord, mais j'ai fait Resident Evil 1, hein. J'ai fait Resident Evil 0, 1, 2, 3. Bon, après 7 et 8.
Mais à la limite, les saves, c'est pas grave si les combats tenaient la route. Tu vois ? Si les combats étaient... étaient bien... étaient corrects. Mais non, bref. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, bah... Donc, on a toujours pas sauvegardé. Putain. Ça va me tomber sur la gueule. Une map. Resident Evil 1 d'origine. Ouais. Non, c'est le remaster, mais... Mais a priori, c'est les mêmes... De ce qu'on m'avait dit, c'était pareil, au niveau de la difficulté. Merci. Donc il y a un mob là. Et là-bas, puis le 0, il n'y a pas de remaster. Et j'ai trouvé le 0 10 fois plus difficile. Ok, merci. Je trouve la version BS1 plus balèze. Oh, c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais non, mais Vinsfeld, me dit pas ce que je dois faire. Je regarde la map. Si je veux, je vais pas... Bah non, je regarderai pas la map, du coup. Je ne regarderai pas la map. Puisque tu m'as dit de la regarder et toi, tu connais le jeu. Donc bon. Je veux juste m'arrêter, là. Si on avance, là, il a des gros sabres, le truc, là. Puis on voit rien, quoi. En plus, on peut pas dodge en avant. Bah oui, c'était un conseil pour m'arrêter. Bah j'imagine que sur la map, enfin c'est même pas j'imagine, j'ai vu que sur la map il y a les points de sauvegarde, oui. Mais ça, je peux y penser tout seul à la regarder, du coup, tant pis, hein. Tant pis. De toute façon, j'ai pas de bobine. Merci Marc. Non mais il sait, Vinsfeld, il sait. Aïe aïe aïe. Bon, ben... Mais je crois qu'il y a... Il y a rien d'autre, hein. On a fait toutes les portes possibles. Je suis pas du genre à spoiler la backseat, mais moi je sais pas. Non, je sais bien, mais moi je suis un spoiler nazi. Bon, mais en bas je crois qu'on a fait toutes les portes aussi. Et en fait, vu que je pose beaucoup de questions, parce que c'est des questions rhétoriques au final. Pas des questions. C'est pas. Je cherche pas à avoir les réponses. Ah, on peut descendre. Là. Ouais, je sais pas si je vais avoir le courage d'apprendre à le speedrun pour pouvoir
là. C'est un aspirateur, hein. Là-bas. C'est quand même vraiment bizarre qu'il file pas de save, quoi. Ok. Ça, c'est... Nouveau. Ah, fuck, putain. Évidemment qu'on le voit pas. Non. Il arrive ou pas? J'imagine le petit Kinou quand il posait des questions à son papa et que celui-ci répondait. Et que le petit Kinou criait: mais mon papa répond pas à des questions rhétoriques! Grave! Il y a un truc au-dessus de la poubelle? Non, non, je crois pas. Non. Ça va avoir regardé déjà. Ok. Faut espérer qu'ils aient foutu une... Une bobine. Ok, bon, ça commence à rentrer le fight avec cette connerie là. Et pour l'instant on n'a pas trop à se plaindre de ces ressources là en tout cas. Donc c'est par là. Il y a un mob mort là à mon avis. Ah non, c'est par là. C'est là. Ah voilà, la musique de la save. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont foutu une bobine? Est-ce qu'ils ont foutu une bobine à cet endroit-là? Telle est la question. Une machine à écrire. Oui, une bobine. Bon. Autre chose. Non, et les combats, franchement, les combats, Winsfeld, sur Resident Evil 1, ils sont mieux faits que ça, quoi. Arrêtez. Y a pas des mobs qui campent ta porte pour... Tout à l'heure, j'avais deux mobs devant la porte, je pouvais pas... J'étais obligé de me faire taper en sortant. C'est mal branlé quand même. Radiographie montrant un cœur, cette silhouette mais familière. C'est la statue. Il va falloir lui mettre un corps dedans. T'aurais pas dû venir ici.
Non, non, pour moi... Bref. Avant de sauvegarder, c'est bon, j'ai la bonne tenue. Pas de revenir en tenue d'écolière. Et franchement, au début, je me serais limite cru dans un hentai en plus aussi, ça. J'étais là, hein ? Je me souviens de certains Silent Hill, c'était un peu le genre. J'ai fait Silent Hill 1 il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait sur PS3, mais c'était la version PS1. Et ben, je suis désolé, mais les combats sont pas aussi clunky que ça, quoi. Ils sont bien faits. Et puis les sauvegardes de Silent Hill 1, bon, ça n'a rien à voir avec les sauvegardes de Resident Evil, mais du coup... Donc Silent Hill 1, il m'a stressé et tout, il n'y a pas de souci, mais pas autant que ça, quoi. Enfin, il m'a pas énervé. Resident Evil 0, il m'a un peu vénère aussi, mais les combats étaient mieux faits. Bref. Bon, bah voilà. Merci, Avia. Alors, sauvegarde. Hop là. Un peu obligé, là. On est full life. On a deux soins. Oh, tiens, bah voilà. Un shotgun. Need. C'est ouf aussi qu'il y ait trois sauvegardes. Pourquoi ? En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu pousser la nostalgie au point de faire de rajouter des trucs lourds dans leur jeu, en fait. Je parlais plus pour les mobs qui restent derrière les portes et qui se retrouvent inévitablement par moment. Ah ouais, d'accord. Je sais pas. Il y a moyen de préserver la nostalgie sans pour autant de faire des trucs pas, tu vois, je sais pas, un petit straf, parce que il est cool, hein, ah oui, on peut pas le faire sans arme, il est cool le dodge en arrière, hop là, mais on peut pas les faire sur les côtés. Et puis, pourquoi les contrôles à la tank ? Alors, je sais, dans Resident Evil 1, c'est comme ça, Silent Hill aussi. Mais, enfin bon. Et puis aussi, un petit indicateur qui met quand tu as bien ciblé le mob, plutôt que de te dire, ok. Alors, je crois que j'ai vu qu'il y avait un son différent. Donc, ça va. Mais, bon, bref. Bouh, RE7. Fin de service, car depuis la RE7, ça râlait. C'est vrai que ça râlait. Ouais, mais là, ça, c'est pas du... C'est pas du Resident Evil, quoi. Ah oui, tu veux dire, ils ont fait ça par rapport à RE7. Ouais, je comprends. Ah bon. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, c'était Delkinu avec la découverte de Tormented Souls et peut-être le premier épisode. Il va falloir que j'y réfléchisse très très vite. Je ne sais pas. Peut-être. À voir. Merci.